デビルの力は失われた。もはや俺たちは人間に過ぎない。それがどうした。あんなものは手段の一つに過ぎん。ならばお前は俺がここで止める。俺の前に立つならば誰であろうと殺す。Donc c'est bien ce que je pensais. Donc soit les deux auraient perdu le démon, ou soit Kazuya, enfin Jin, se serait sacrifié pour retirer celui de son père et se serait tué à la fin. On va lui foutre la mandale. Voilà. Alors qu'est-ce... Non mais tu te régènes aussi mon frère. J'allais dire frérot, mais t'es mon père. Hé hey, papa, tu me casses les couilles. J'ai jamais dit, mais tu m'as cassé les couilles. Toi et grand-père, là, vous m'avez pété les burnes. Arrête de te régène, là. Joue la réglo, connard. Aïe. Papa, t'es un connard. Voilà, je tiens à préciser. Tu me casses les couilles, papa. Allez, dégage. Ah, la musique de Tekken 3. L'instrumental, c'est du Tekken 3 tout craché. C'est excellent. C'est excellent de ouf. Par contre, là, je l'ai ratat. Par contre, là, je lui mets la... Oh, je lui mets la pâtée. Oh, je lui mets la pâtée. Oh, si ta mère... Si ta femme pourrait te voir que je t'ai déglingué ta race. Bon, tu reprends, mais... Oh, il m'a fait une prise au corps. Bien joué. Moi aussi, je peux t'en faire une prise au corps. Tiens, bouffe. Sama. Mishima Ryu a steta hazu de wa. Ore wa mou Mishima Ryu o tsukau koto o tamerai wa shinai. Fight. Bien dit. Ah, ça m'a perturbé, j'ai cru que j'étais Kazuya à un moment. Mais je me suis dit non. Tiens, allez, bouffe. Ce petit combo à la Jin. Oh. Voilà, je l'ai carrément défoncé contre le mur. Alors ? Alors, papa ? Tu te prends une branlée par ton propre fils? Bah oui. Allez. Laisse-moi terminer aux prises au corps. Eh ouais, mon petit daron. Ah!
Ok. Tiens, pendant que tu me tapes, je te fais ça dans ta gueule. Oh, bien joué. Oh, il était beau, ce coup-là était beau. Ok. Là, je vois ce que j'ai. Oh, j'ai mis la pâtée au daron, là. Allez. Laisse-moi te terminer en bas. Voilà. Non. Je vais perdre sur ça. Allez, dégage. Alors, papa, t'aimes bien prendre une raclée? どちらが立っているか、それだけだ。 You will be a shining star of hope. Tu devi vivere. Believe in yourself and look to the future. 이걸로 끝은 아니겠지? 戦い Halte deine tiefsten Wünsche in Ehre. Osoizo, Kirifuda. された思いが俺に生きる勇気を与えてくれた。バカな。みんなと共に生きるため、俺は何度でも立ち上がる。諦めの悪さは認めてやる。だが勝つのは俺だ。 Yes! Oh, c'est l'OST que j'adore! L'OST de l'intro du jeu! Oh, c'est trop bien! Ah, ça te donne la motive de défoncer Kazuya, la tête de Wham! Cette musique, elle est trop bien! Je crois que c'est Last Stamp. Allez, dégage! Au moins, Kazuya, il se bat pour des bonnes choses. Kazuya, Jin se bat pour des bonnes choses. Allez.
Ouh, hey, les patates que met mon père, c'est abusé. Et, par contre, il m'enlève plus que ce que j'y enlève, hein. Ouh. L'attaque spéciale. Là, il a mangé sa mère. Oh, la tapette. Oh, ça continue. Oh, ça continue le combat. On dirait qu'il contre tous mes coups. Eh, hey, tu vas te calmer, toi. Hein. Hey, le daron, il a en plus, le daron, il a l'attaque spéciale, là. Ah, t'as de la chance que c'est pas Jin que je sais le plus jouer, hein. Parce que c'est celui qu'on contrôle le plus, hein. Mais à chaque fois, il me recontre derrière. Viens là, papa. La musique, elle te motive. C'est abusé. On rattrape, hein, malgré il fait plus de dégâts que nous, hein. Allez. Il faut juste qu'il fasse une erreur. Allez, dégage. Il a fait l'erreur qu'il fallait pas. ありがとう。
Waouh. Qui c'est qui est apparu à la fin, là? Ah, mais non, qui est apparu au pied de Kazuya, c'était June. Attends. Attends, non, on est bien... Non, à 100%, c'est June qui vient d'apparaître au pied de Kazuya. Donc, elle est pas morte. Encore, je pense que c'est elle, hein. Ça se trouve, je me trompe, hein. Mais ça me fait penser aux chaussures que porte June. On dirait clairement Anne qui vient d'apparaître, donc à mon avis, donc elle s'est... tout le monde la croyait morte et tuée par Ogre. Mais ça se trouve, depuis le début, elle était encore vivante. Mais elle voulait que le fils et le père terminent leur bataille de leur côté. Ça se trouve, c'est ça, hein. Bon, en tout cas, tu vois tout le monde, chacun de leur côté, de ce qui se passe après. Il y en a, ils boivent le thé, le café, il y en a qui font de l'explo... Enfin, qui... Comment dire? Ah, Claudio qui est encore vivant, hein, parce qu'on le voyait pas depuis. Donc, on voit qu'il y en a qui sont faire de l'archéologie, il y en a qui... Voilà, chacun est de son côté, maintenant. Bon, il dit que le gène du démon est fini, mais il y a encore Reyna, qui a l'air d'avoir un démon, hein. Donc, Wouah, c'est bien ce que je pensais. Le gène du démon, il est pas mort. Elle est toujours là. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc ouais, il y aura bien. Là, ça nous laisse sur la fin, comme quoi, ben, elle a fait « Sur ma vie, je... » Donc, à mon avis, elle va jurer sur sa vie qu'elle se vengera de ce qu'on a fait à Eiashi, donc ce qu'on a fait à son père. Donc, à mon avis, par tous les moyens, elle va essayer de... Bah, maintenant, plus vu que Kazuya n'a plus de démon à l'heure actuelle, à moins qu'il trouve quelque chose pour le faire réapparaître, pour affronter Jin et Kazuya pour affronter, donc, Reyna. Mais Reyna, on l'a soupçonnée quand même, mine de rien, malgré qu'elle est toute mignonne et tout. Voilà, faut faire gaffe. Donc à mon avis, les deux vont devoir l'affronter. Peut-être retrouver leur démon une toute dernière fois pour l'affronter. Enfin, le démon, peut-être démon Kazuya, donc Devil Kazuya et Angel Jin. Peut-être affronteront Reyna pour un ultime combat. Mais en tout cas, je m'en doutais que elle, il y avait quelque chose. Déjà, quand il y a eu le plan au moment de vers son visage, je me suis dit... Ou son œil va devenir rouge. Je vous en ai pas reparlé entre temps. Mais c'est le truc que j'ai pensé et c'est ce qui s'est passé. Donc à mon avis, donc ouais, on aura bien un Tekken 9 et on sait donc sur quoi ce sera basé. Sur Reyna Mishima. Qui sera à mon avis la personne qui va vouloir se venger à tout prix de Kazuya. Et donc pour moi, je ne confirmerai pas à 100%, mais du peu qu'on a vu, donc pour moi c'est June qui est apparu au pied de Kazuya. J'ai cru que Jin allait le ramener, tu vois, imaginons, je sais pas, sur la pelouse ou sur un lit, jusqu'à temps qu'il se réveille. Je savais que Jin n'allait pas tuer son père. Pas comme à la base font entre Eiashi et Kazuya depuis... chaque fois, il se balance d'une colline ou... Bah là, à la fin, Eiashi qui est balancé, qui est dans la lave. Mais là, non, Jin, il est pas comme ça. Il a laissé donc la fin du combat et son père au sol. Voilà. En tout cas, un mode histoire du tonnerre. J'ai adoré. Rien à dire. June a été ajoutée aux épisodes de personnages. Déjà, rien que ça veut dire que c'était elle qui est apparue au pied de Kazuya. Obligé. L'histoire secondaire d'une Kazama a été ajoutée à la galerie. Et on gagne 10 millions de thunes. Bah en tout cas, très très cool. Le mode histoire très très cool les amis. Eh ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.
デビルの力がなくとも戦い抜くまでよ。力が全てを支配するこの世界をな。 お父様、私が必ず。